Quelqu'un chante. C'est pas lui. Oh non. Elle a une voix de femme de 30 ans. C'est horrible, c'est des vrais gosses. Mais non, c'est pas des vrais. Ah. T'inquiète. Lui, il était bien poli. Il était très sage, c'était le plus sage. Ah, tu es ventriloque. Waouh. C'est incroyable. Ah. Oh. Mais madame, il est mort. Bon bah je vais vous laisser. Putain, hein. Vraiment rien quoi. Tu pourras lui péter au nez qu'elle dira rien. Si tu kiffes alors mets un pouce bleu ma couille. Bah, je peux pas courir mec, ils vont m'attraper. Cours. Attends, j'appuie sur shift moi, vas-y. Ah merci, vas-y. Je te dirai quand t'arrêtes. Se dirige vers le pont. J'ai pas okay. Non plus. Non, je vais pas vers le pont. Ah si. Va vers le pont, va vers le pont. Il est où le pont? Attends, oui, oui. Il est où le pont s'il vous plaît? Sauf que là on retourne à l'église. Ah. Il se dirige vers l'église. Il se dirige vers le pont. Et maintenant re vers le pont. Il t'a traité de fils de pute. J'ai entendu là. Et il a dit que t'étais plus glissant qu'une merde de chouette. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'aurais pas pu. Toi quand tu es de basson, on a arrêté trop le mec à engrainer au début, genre il a dit fils de pute. Je te jure il a dit ça. Prends la bicyclette et casse-toi. Hop, Snapchat. Tu aimes Snapchat? Filtre chien, slurp. I'm too sexy for my shirt. Le mec qui a des tocs. Ouais, ça a l'air d'être par là, hein. Bravo. On dirait bien, hein. Tu vas hacker leur moulin, ils sont trop vénères. Attention, certains s'ils sont. Ouais, voilà. S'ils sont attrapés les doigts, tu risques de te faire passer très fort. Alors, comment on arrête un moulin? Ah! Avec un bâton. Idée. Ah! Il doit y avoir quelque chose que je peux lâcher dans l'eau pour arrêter le moulin. Ah, mais tu vas loin! Ah, tu pars trop loin, frère! Putain, mec, il est trop chez père! Ta-ta-ta-ta! Ouais, tu pourrais te mettre toi, par exemple, ouais, pour te broyer, par exemple. J'ai pas été par là. Et du coup, je sais pas pourquoi je m'éloigne du. Ça se trouve, faut pas forcément le casser, ce joli moulin. Je sais pas, depuis le début, on essaie de le niquer. Mais... Ah, bah tiens! Ah, bah. Nickel! C'est parti! Tourne, tourne, tourne! Tourne, tourne, tourne. C'est mais un sale boulot. Attends, on va mais faire quoi là? On doit le faire. J'ai pas compris, j'ai fait quoi? T'as coupé l'eau. Mais l'eau elle va pas déborder? Non, y'a un système hydraulique très évolué fait par des paysans. Ah merde! Non, bah non, bah non, faut pas monter là! Tu peux sauter ou pas? Non! Il est con ou quoi le mec? Ah oui! Bon, ah. Ça fait mal, mais au moins. Hey les gars, il a coupé l'eau! Attrapez-le! Une grillade quoi. Il y a quelques gitans qui sont passés par là. Eh hey Franck, tu viens venir samedi soir, je fais des grillades dans le jardin. C'est quoi ces bruits là? Genre qui fait ça genre. Oh putain elle est trop chiante. En général t'as pas le temps de la regarder. Ouais, oh, ouais. Quand elle commence à faire ça, c'est qu'en général c'est pas bon. Je vais t'attraper. C'est un sale boulot. Mais il faut le faire. Et pourquoi je ramène ça là? Pour le barbecue de samedi. Tu viens chercher tes bêtes. Attends, vous devez avoir une utilité au crochet, mais c'est quoi? Pourquoi je rec? Ah, il y a eu un sale bruit. Oui. Ah, c'est des mecs, j'avais pas vu. Ah, c'est du tout. Ah, ouais, non, c'est pas pour le barbecue ça. Ah, il a plus de tête, c'est pour ça qu'on n'a pas compris. C'est un sale boulot. On a un beau crochet, ça c'est sûr. Ouais, ce crochet là, je vais m'en servir pour quoi? Pour attraper des porcs. Pour te pendre toi-même, à côté. Et ainsi passer incognito. Peut-être qu'il y a quelque chose d'incroyable ici. En tout cas, ce serait logique. Ah. Attends, il y a pas un petit trou là? Non. Ouais, non, il était trop petit comme trou. Oh, tu passeras jamais. Oh, il y a encore un an, je pouvais passer, mais là. Ah ouais, c'est chaud. C'est pas ici. Obligé. Obligé, c'est ici. Non, obligé, c'est pas ici. Ok. Il faut retourner vers la dame. Ah oh, bah, moi j'y vais pas. T'y vas. Tu vas mettre le crochet dans la kikine à la dadame. Je préférerais ne pas. Il y a quelqu'un qui a fait. Ouh. Je l'ai entendu. Ouh. Eh, non. Ah, babine de porc infidèle. Elle a vu quelque chose là, sûrement. Elle se doute de quelque chose, non? Oh, il y a un mulot dans le champ de blé. Elle va faire bah. Mec, t'as ouf, elle est juste là. Bah. Oh merde, putain, elle m'a chopé. Bah. Kikine. Femme kikine. Alors, là c'est le moment où il faut réagir assez vite normalement. Allez, ma bouche, vite. Trouve où mettre le crochet.
je l'ai pas trouvé. Je reviendrai plus tard. Elle va te choper le cul, toi. Ouais, toi, t'es trop confiant. Mais non, mais tu la contournes, quoi, je veux dire, y a pas de soucis, quoi. Non, mais j'avais pas vu qu'elle avait des grands bras. Des très grands bras. Oh. Ah. Non. Non, non, non. Non, Dieu, plus tard, Dieu. Dépêche. Ça ne m'intéresse pas. Oh. On m'a déjà contacté, ça ne m'intéresse pas. Oh non, pas la mine. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mines? Du charbon, il y a Babylone. Non, il y a des monstres. Les mines, que ce soit dans des films ou dans des jeux ou quoi que ce soit, ça fait toujours peur. Ouais, et parfois c'est chiant aussi. Aussi. Parce qu'on reste très longtemps dedans. Juliette, dans mon bureau, s'il vous plaît. Sans votre culotte. Oh. Putain, c'est mon ombre. Tu aimes les séquences dans les écoles? Ouf. De toute façon, ça m'a toujours fait peur. Tu vas pas y aller sans lumière quand même, là. Je préfère. Non, ça, mais ça non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais où est la lumière? Ça s'ouvre plus. Ça s'ouvre plus. Putain, mais je t'avais dit d'allumer la lumière. T'es un ça ouf. Ça m'a fait flipper ce bruit là de merde là. Mais moi aussi, mais j'ai pas forcément envie de jouer du coup. Mais toi, tu vois mon écran, ça fait moins peur. Non, non ça, alors là c'est. 5 x 3 2 Va au rétroprojecteur pour voir. Vous avez besoin d'un transparent. Où est-ce que vous avez encore mis les polycopiers, Jacques? Les polycopiés. Oui, moi, merde. Les profs, ils me demandaient jamais d'aller chercher la photocopieuse parce que je revenais trop tard en bavardant. Je devrais bien revenir avec une photocopieuse sous le bras. C'est bon, j'ai ramené la photocopieuse. Oh, mais Damien, vous avez encore mal compris. Je ne vous demande pas de ramener la photocopieuse. Hop. Ça fait trop peur quand tu remets les piles. Ah ouais, si j'éteins la lumière comme ça, ça fait peur aussi. Qui parle? C'est le polycopier. T'inquiète pas. Bon, on va rapporter le polycopier là. J'aimerais bien, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose sur la route, Terra. Alors, moi, quand c'est comme ça, je marche à reculons. Je regarde en arrière et je recule. Comme ça, impossible que ça te fasse peur. Le screamer sera forcément devant. Je me sens pas très bien. Tu connais ton froid? C'était pas ça de le quest là. Je crois que je me suis trompé. Monsieur est mieux, je crois que je suis perdu. Ce n'est pas la bonne salle. Ce n'est pas le cours de Madame Laurent. Désolé pour mon retard. Tu vois une deuxième main qui se pose sur la tienne. Je t'aime. Unforgivable. D'accord. Et alors après? On s'en branle, non? Il faut peut-être que tu déplaces le rétroprojecteur sur le truc pour que ça se superpose. Oh, okay, okay. Genre t'es trop con pour juste faire le lien entre les deux. Il est bien voilà, trop con. Vous comprenez les enfants maintenant? C'est bon? D'accord. Les lettres, elles sont pas alignées. Ah non mais sous ma gueule, c'est bon, on a compris le mot hein. Espèce de gros débile va. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il comprend pas. Oups. Bon. Faut tirer le truc, faut que... Ça ne veut rien dire, ovle. Oh, je dois le régler. Je sens qu'un truc va arriver maintenant. Non. Si, attends, je lâche mes couilles. De toute façon, il va t'arriver un sale truc là. T'as trouvé le truc et il s'est rien passé depuis tout à l'heure. Là, obligé, il se passe un truc vraiment moche. Je suis le directeur. Ah! Bah, il y avait pas ça tout à l'heure. Non, il y avait un petit dessin. Oh là. J'arrive pas à attraper mon cahier. Ah! Merde! C'est pas hyper rapide pour prendre son pied de maths. Attention à tes doigts. Je me sens pas très bien, je vais aller à l'infirmerie. Madame, faut aller à l'infirmerie. Attends, j'ai des problèmes en ce moment de cœur, donc Screamer à 632, j'aurais aimé que vous préveniez. Oh bah je vais rester là moi. Ah putain. C'était qui? Eh hey, maintenant je sais que vous êtes là hein. En vrai je me sens pas bien. Je viens mériter un petit brownies. Je suis le directeur. Oh, putain. Non, mais je... Monsieur le directeur, vraiment cette école tombe en morceaux. Monsieur le directeur, c'est où? Vous êtes parti par là? Ne bougez pas, j'arrive. Vous avez déjà dit de pas traîner dans les conduits. Par contre, comment je monte? Je dois pousser un... Bon, d'accord. J'arrive. Ça ne me fait pas rire. La secrétaire vraiment pas rassurée. D'accord. Bon, 1, 2, 3, j'arrive. La même que ça ne fait un genre qu'à participer au jeu. Oh, monsieur le directeur. C'est pas drôle.
Y'a quelqu'un qui a des maux au ventre. Apportez-moi un space-fond, vite. Lancez-le-moi. Ah, c'est des moustiques. Ah, fais gaffe. Ah, faut le mettre de la citronnelle. Ah. Ça les repousse. Il faut couper une bouteille en deux et mettre du sirop dans le fond. Ah, c'est Gollum. Est-ce qu'on est à l'envers ou est-ce qu'il est à l'endroit? Non. Non mais est-ce qu'on est à l'endroit et le monde est à l'envers? Non mec, on est à l'envers. Mais oui, on est à l'envers, tu vois bien que les plantes vous poussent vers le... Mais attends, c'est le ciel ça. Dans ma petite souche. Franchement, ça me dégoûterait d'être dans une souche d'arbre. Il doit y avoir un milliard d'insectes différents à l'intérieur. Ah, doit trop y avoir des fourmis. Non mais ça va, mais genre dégueu. À un moment, il y a Frodon, Sam, Pipa et Merry sont cachés derrière une souche d'arbre. Et là, il y a des genre... plein de mille pattes et des trucs bizarres qui leur montent dessus. Depuis, je déteste la nature et je dis vive le bitume. Moi, je déteste la nature. Ah, c'est encore le mec qui a ses mots de ventre, va l'aider. Je vous ai ramené des espaces fonds, je suis passé à la pharmacie. Monsieur, vous êtes où? Monsieur, j'arrive. Alors, c'est un matin, un midi et un soir. J'en ai marre. Ouais, mec, on a vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Oh, putain, arrêtez de merde. Mec, il revient direct, c'est bon, il doit être parti. C'est bon. Il est parti dans... là. C'est bon. Oh non, pas rampé à l'intérieur de ça. Oh, monsieur le directeur. Il est au-dessus de toi, là. Bah non, elle sort pas, mec. Monsieur le directeur. Oh, c'est une blague, elle a pas de rôle. Gollum. Gollum. C'est la version africaine. Gollum. Gollum, Gollum. Gollum, Gollum. Ah, c'est vraiment lui, hein. C'était avant sa transformation. Qu'est-ce qu'il... Il est en train de chier. De chier. Il s'écarte les fesses. Ouais, il essaie de chier. Pour que ça passe mieux. Vu le début, t'étais pas très loin. Non, c'était ça. Il a mal au bide. Bah alors, monsieur, j'ai mieux. On va vous mettre du débris, là. C'est avant les repas. Après ça, ça va sortir tout seul, hein. Ça fait même pas mal. Et ensuite, on n'oublie pas de prendre de l'extra levure pour la flore intestinale. Il y a eu caca partout. Ouais, pouvez-vous faire caca? Non mais mec, il a vraiment des problèmes de constipation. Attends, hein. Je suis en train de ramper dans son caca. Non, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est pas tout en train de voir son caca.